les amis, je voudrais vous dire quelques petits conseils supplémentaires par rapport à votre mémoire. J'aimerais que vous puissiez tenir compte que sur votre bureau, pendant la période où vous allez rédiger à la fois votre notice et votre mémoire, vous ayez deux dossiers importants. Le premier, c'est les moteurs de recherche. Je ne vais pas vous rappeler les procédures, mais je vais vous rappeler rapidement les moteurs de recherche indispensables. C'est tout d'abord Google. Deuxième, c'est Alerte Google. Ensuite, c'est Ask, A-S-K. Ensuite, c'est Quant, Q-W-A-N-T. Ensuite, c'est Mozbot, M-O-Z-B-O-T. Ensuite, c'est Yahoo, moteur de recherche. Ensuite, c'est Keybox, expert comptable, Q-I-B-O-C-2-O-C-K-A-S. Ça, c'est pour les experts comptables, Keybox. Ensuite, vous avez un autre moteur de recherche, Bing, B-I-N-G, Microsoft, moteur de recherche Bing, Microsoft. Vous avez également à mettre sur vos moteurs de recherche des sites qui vont vous paraître un peu surprenants. C'est le site des synonymes, les synonymes en France. C'est-à-dire que quelquefois, vous trouvez un article et pour éviter de vous faire accuser de plagiat, vous pouvez remplacer plusieurs mots par des synonymes. Et donc, le dictionnaire des synonymes est hyper important. Ensuite, vous avez quand même un site qui est incontournable, surtout sur votre clé USB, c'est YouTube, où quelquefois, vous avez des vidéos que vous pouvez compléter sur votre clé USB qui doit être envoyée aux examinateurs. Vous pouvez y mettre, bien sûr, des vidéos que vous avez pu obtenir sur YouTube. Voilà en gros les moteurs de recherche. Pourquoi je vous en ai donné plusieurs ? Parce que je vais vous raconter des choses qui m'arrivent souvent. Quelquefois, je cherche quelque chose sur un thème bien précis. Et sur ce thème bien précis, je ne trouve pas sur Google. Par contre, je trouve d'autres arguments sur Mozbot, sur Quant, sur Ask. Donc, ayant à votre disposition plusieurs moteurs de recherche, vous avez vraiment une étendue de recherche impressionnante. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte parce qu'il y a une chose aussi que vous devez faire pour mesurer vos moteurs de recherche et l'intérêt d'un moteur de recherche. C'est que quand vous faites un mémoire, vous êtes en train de réfléchir à votre sujet mémoire. Il faut que vous fassiez ressortir les mots forts et les mots clés, comme on dit, de votre travail de réflexion. Grâce à ces mots forts, à ces mots clés, vous allez améliorer l'étendue de vos recherches. Donc ça, c'est pour le premier dossier qui est obligatoirement sur votre bureau et qui est le dossier moteur de recherche. Ah, cela, j'allais oublier. Quelque chose que vous connaissez, qu'il est sur tous les ordinateurs, mais que vous n'avez pas toujours l'utilisation, c'est BlockNotes, que vous allez mettre également. C'est un logiciel BlockNotes qui se trouve sur votre ordinateur, que vous allez mettre dans le dossier. Vous allez donc trouver le raccourci BlockNotes. Une fois que vous avez le raccourci, vous le mettez dans le dossier moteur de recherche. Vous éliminez de votre bureau tous les raccourcis des moteurs de recherche puisqu'ils ont été mis ou transférés. S'ils sont transférés, ils ne sont plus sur votre bureau. Ils sont uniquement moteurs de recherche. N'oubliez pas BlockNotes qui sert quelquefois à récupérer des articles qui sont pleins de choses inutiles que vous mettez dans BlockNotes. Une fois que vous avez mis dans BlockNotes, vous enlevez tous les fioritures qui n'intéressent pas. Vous prenez BlockNotes et vous le remettez en copier-coller sur Word. Et vous avez, comme si c'était vous qui avez fait l'article, vous changez deux ou trois mots avec les synonymes et vous avez quelque chose qui n'est pas du plagiat. Voilà l'intérêt de ne pas faire de plagiat. C'est surtout changer le titre du début de l'article et le milieu et la fin en changeant, parce que quelquefois vous avez une idée formidable qui est bien exprimée, mais vous dites « je ne vais pas reprendre » ou alors vous reprenez l'article. C'est vous qui choisissez avec le nom de l'auteur et bien sûr les guillemets. Mais si vous ne faites que du plagiat et que vous n'avez que des guillemets dans un mémoire, vous risquez d'avoir quand même
le fait que ce soit pas du plagiat, mais on dira c'est pas vous qui avez fait le mémoire, vous n'avez fait qu'un condensé de construction de citations des uns et des autres. Donc les citations avec parcimonie, s'il vous plaît. Hein, quelqu'un m'a demandé un coup, où habite parcimonie? Bon, j'ai dit, écoutez, là, ça prouve quand même que vous avez quelques difficultés pour comprendre la langue française. Bon, je rigole. Hein. Deuxième chose, les amis, c'est les sites indispensables que vous devez absolument mettre dans un dossier site indispensable pour tous les mémoires de France déposés au sein de l'État français. Les sites indispensables, on y va. C'est la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, en France, bien sûr. C'est le Conseil supérieur des experts comptables. C'est SIC, la revue SIC, S-I-C. C'est ensuite l'autorité des normes comptables, autorité des normes comptables. C'est H3C. H3C, vous avez des sites à mettre. Vous avez le site du ministère de l'économie et des finances, le site du ministère de la justice pour les commissaires aux comptes ou pour les mémoires commissaires aux comptes. Vous avez le site également de Note de Bercy pour les particuliers, Note de Bercy pour les entreprises. Vous avez le site Mémoire Online, qui est un site où vous trouvez des thèses, des mémoires de tous les examens de nos amis africains en particulier. Et vous allez avoir des mémoires formidables pour nos amis du Sénégal, du Bénin, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire. Vous avez le site également important, le site du ministère du Budget et de l'Action publique. Vous avez ensuite également le site du syndicat IFEC, c'est Institut français des experts comptables. Il a un site formidable qui donne beaucoup d'informations et son congrès numérique et ses congrès des dernières années qu'il faut aller solliciter. Vous avez le site également de ECF, experts comptables de France. Actuellement, le Conseil supérieur est guidé par M. Canesi, qui est un membre de l'ECF. Donc, le Conseil supérieur a une majorité de membres ECF et il est complété par une minorité de membres IFEC. Il y avait 5 listes présentes lors du vote de l'élection au Conseil supérieur pour la première fois au niveau suffrage universel en ligne, parce qu'avant c'était les conseils régionaux qui votaient pour le conseil supérieur, c'était les présidents des conseils régionaux qui votaient pour le conseil supérieur. Maintenant c'est tous les experts comptables depuis cette année. Eh bien les 3 autres listes qui n'étaient pas attachées au syndicat n'ont pas eu le nombre de voix suffisant et ne font pas partie du conseil supérieur. Fait partie également du Conseil supérieur, les présidents honoraires récents, comme Madame Agnès Bricard, IFEC, Monsieur Joseph Zornietti, ECF, Monsieur Philippe Paraou, qui à l'époque était ECF, maintenant il est ni ECF ni IFEC, d'ailleurs il s'était présenté, il n'a pas été élu comme membre, je dirais, du Conseil supérieur. Donc ce sont les présidents honoraires sont des membres invités au Conseil supérieur. Mais ils n'ont pas voix possible lorsque le Conseil supérieur fait voter ses adhérents. Donc c'est M. Charles-René Tandé, bien sûr que j'allais oublier, qui a été nommé président d'honneur du Conseil supérieur. Vous avez également comme site les congrès des experts comptables. Vous avez un site qui s'appelle Les Congrès des experts comptables. Et vous avez intérêt, les amis, pour faire vos mémoires, pour faire vos soutenances, de recenser les derniers thèmes des congrès des experts comptables de 2010 à 2020. Autre thème important, autre site important, les journées nationales
des commissaires aux comptes. Je répète, les journées nationales des commissaires aux comptes. Bien. Ensuite, autre petit conseil. Au niveau du conseil supérieur, vous avez énormément de commissions qui travaillent de manière exceptionnelle. Et je vous demande de prendre contact avec ces commissions. Je vais vous en citer quelques-unes. Il y a commission ou club. Il y a le club fiscal, dont l'adhésion coûte cher, mais vous pouvez avoir quand même des liens avec le club fiscal, qui fait des réunions avec des grands intervenants. Vous avez également le club social. Vous avez le club des établissements, le club des marchés publics. Vous avez le club, alors il est assez dynamique en ce moment, c'est le club patrimoine. Vous avez le club déontologie. Vous avez le club informatique et transition numérique. Le club aussi, qui est très important, qui est le club de anti-blanchiment. Vous avez les mêmes instances au niveau du Conseil supérieur des experts comptables et au niveau de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Je vous demande également de mettre le site Commission formation du Conseil supérieur des experts comptables. Je répète, Commission formation du Conseil supérieur des experts comptables. Vous mettre également donc comme lettre de ces commissions et de vous mettre récepteur de ces lettres, des newsletters que la commission formation du Conseil supérieur est en mesure de vous envoyer. Même chose, la commission formation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui est formidable, cette commission. Elle envoie des informations régulières d'ailleurs que je vous fais parvenir à tour de rôle sur l'audit, sur l'élargissement de l'audit pour les stagiaires de première année, pour les stagiaires de seconde année. Il y a des webinaires gratuits, mais il y a des webinaires payants qui peuvent être financés par vos OPCO, c'est-à-dire Atlas en particulier, qui finance les formations organisées par le Conseil supérieur ou organisées par la Compagnie des commissaires aux comptes. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas d'avoir ces sites en permanence sur votre bureau et n'oubliez pas d'envoyer des courriels pour recevoir des newsletters. Et c'est grâce à toute cette documentation exceptionnelle que vous allez pouvoir enrichir votre bibliographie, enrichir votre soutenance, parce que vous aurez présenté des choses récentes, présenté des pratiques, présenté des apports. Car je répète, les amis, pour le mémoire, il y a des mots qui sont incontournables. C'est le mot « outil » avec derrière « nouveauté ». Deuxième mot important, les mots « apport » en distinguant « scientifique », c'est toute votre recherche. Technique, c'est tout ce qui sert le comptable en général de toute la France, c'est-à-dire sur des opérations comptables ou des opérations fiscales ou des opérations sociales, des opérations juridiques ou des opérations numériques. Ça peut intéresser tous les comptables de France, pas forcément les comptables des cabinets. Et le troisième apport, c'est l'apport professionnel pour les cabinets comptables, pour les procédures des cabinets comptables. Un troisième mot fort que vous devez démontrer lors de votre soutenance, c'est la rentabilité de ce que vous présentez. Ne confondons pas, les amis, le mot rentabilité qui est associé à profit, le mot efficacité qui est associé à l'homme, le mot productivité qui est le rapport entre deux grandeurs de nature différente, nombre de voitures fabriquées chez Renault sur le nombre de salariés. Ça vous donne la productivité par salarié en nombre de voitures. Le rendement, c'est le rapport entre deux grandeurs de la même nature. Temps passé sur temps prévu, ça vous donne le rendement des collaborateurs. Et cela, ce sont des mots qu'un expert comptable doit maîtriser avec une grande vigueur et l'utiliser à bon escient.
parce qu'on a quelquefois des réponses lors de soutenance qui sont vraiment catastrophiques. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.